Les responsables de forces de défense et de sécurité de Cancan ont présenté ce mercredi 18 octobre 2023 une importante quantité de cartons de produits pharmaceutiques impropres à la consommation. Ces produits ont été saisis dans un minibus en provenance de Conakry dans la nuit de ce mercredi au quartier Missiran dans les environs de 2 heures par une équipe de patrouille mixte. Ces cartons que vous voyez derrière nous ont été saisis à bord de ce minibus en provenance de Conakry par la patrouille mixte vers les 2 heures du matin dans le quartier Missiran à Cancan. Il s'agit de 129 cartons composés de plusieurs produits différents. Nous avons fait les décomptes avec la BR à la gendarmerie. Il y a 13 cartons de Picron Forte. Il y a 2 Ronfi Colt. Il y a 40 Poxa. 10 oral réhydratation, 50 chloroquine sirop, 9 reality extra, 2 concile red et 3 concile bleu. Selon le commandant du camp Sundiata Keita de Cancan, ces produits pharmaceutiques impropres à la consommation seront mis à la disposition des autorités judiciaires compétentes en la matière. Donc, ces produits seront mis à la disposition de l'autorité judiciaire qui a la compétence de se prononcer. Cette saisie intervient à un moment où les attaques à main armée se multiplient dans la commune urbaine de Cancan.